On entend beaucoup parler de renseignement d'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que veut dire ce terme? Alors, le renseignement d'entreprise, c'est généralement une situation de concurrence où une entreprise veut savoir quelque chose, ce qui se passe chez un concurrent. Donc, ça peut être sur des marchés, des clients, des offres qui sont des innovations qui sont en train de sortir ou qui vont bientôt sortir. Et donc, on voudrait savoir un peu ce qui se passe, soit au niveau technique, commercial, en relation avec un concurrent. Alors, c'est quoi l'intérêt, justement, de savoir? L'intérêt de savoir, c'est de pouvoir anticiper, c'est de pouvoir éviter un souci. Si un concurrent sort un nouveau produit et on connaît déjà un petit peu en avance à quoi va ressembler le nouveau produit, on peut déjà commencer à préparer nos propres clients en se disant « Bon, méfiez-vous des gens qui vont vous faire miroiter des choses parce que, bon, voilà, enfin, nous, vous nous connaissez, nos produits sont bien, vous devriez... » reconduire vos contrats sur une année et comme ça, quand le concurrent sort son produit, ben, il a plus de mal à le vendre, par exemple. Donc, savoir, ça permet d'anticiper, ça permet d'agir dans des meilleures conditions. Bon, c'est quand même un petit peu de l'espionnage industriel, ou c'est différent? Alors, l'espionnage, c'est illégal. Le renseignement, l'intelligence économique, c'est légal. Voilà. Et ça n'existe pas, l'espionnage légal. C'est pas possible. Alors, quelle est la différence entre les deux, à part la légalité? Alors, comment dire? Y a une limite qui est le droit. Donc, l'intelligence économique, le renseignement, hein, c'est différentes manières de le dire, c'est d'envisager de se rapprocher de cette limite de la légalité, de rester dedans, et d'être, moi j'appelle ça, d'être culotté, d'aller poser des questions qui sont un peu... que certaines personnes n'oseront pas poser, mais nous, on y va. Par exemple, un concurrent fait des portes ouvertes, est-ce que toi, tu vas aux portes ouvertes de ton concurrent? Certaines personnes diront, moi, j'y vais pas, je suis pas un espion. Et ce sont des portes ouvertes. On peut aller aux portes ouvertes du concurrent. Donc, il y a déjà des gens aussi qui ont peur de faire certaines démarches, alors qu'ils en ont largement le droit. Et d'autres choses, par exemple, il est autorisé de faire des devis bidons parce que la relation commerciale doit être de bonne foi, mais un devis, c'est pas encore une relation commerciale. Donc il y en a qui jouent avec ça. Donc là, on se dit, j'aurais le droit de le faire, mais je ne le fais pas parce que moi, ma déontologie, ma démarche, ma morale m'interdit de le faire. Ça revient sur la légalité. Donc il n'y a pas d'espionnage légal. Soit c'est illégal, soit c'est légal. Moi, je suis dans le légal. Alors moi, je parlais bien au niveau technique. Le légal et l'illégal utilisent les mêmes techniques. Pour certaines, oui. Mais c'est-à-dire, par exemple, l'interview, le questionnement, l'observation. Mais l'illégal, ça va être... Les gens qui font de l'illégal vont peut-être faire des intrusions, donc des cambriolages ou bien des intrusions électroniques. Et bien sûr, la personne qui reste dans le légal ne fait pas ça. Et savoir comme ça, c'est pas un peu malsain, non? Savoir. Savoir, le savoir. Ah, le savoir ce que font les autres et tout. Bon, pour nous, ça, c'est peut-être un peu malsain, non? Je vois pas. Pour un concurrent, non, je vois pas. Si tu as le complexe d'Œdipe, oui, je peux comprendre que le complexe d'Œdipe, ça peut être malsain. Mais je veux dire que là, si tu es en concurrence, si tu veux savoir ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils vont sûrement te... En fait, on part de l'idée que le concurrent nous veut du mal. Ça, il y a un côté malsain de se dire, le concurrent, il faut imaginer qu'il va nous piquer des clients, nous piquer une recette, nous piquer un savoir-faire. C'est-à-dire, on part de cette idée-là. On n'est pas chez les bisounours. Donc ça, c'est peut-être un peu... Cette notion parano, c'est un peu malsain. Mais après, de savoir ce qu'il sait sur nous et d'essayer d'en savoir plus sur lui qu'il en sait sur nous, je veux dire, c'est d'avoir un avantage concurrentiel dans le business, quoi. Alors après, j'ai envie de savoir sur mon concurrent, qu'est-ce que je peux faire? Alors, moi, je te propose trois choses. Il y a trois niveaux. Il y a, par exemple, un niveau au téléphone. Et j'aime bien la règle du moins 8. Quand tu dois appeler quelqu'un, moi, je te suggère de l'appeler à moins 8, de n'importe quelle heure. 8h moins 8, 9h moins 8, 10h moins 8, plutôt le matin. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de jouer sur l'arc réflexe. S'il te dit, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Il est moins 8, c'est pas dans 5 minutes. S'il répond 5 minutes, c'est qu'il est dans l'arc réflexe. Et si tu te dis, c'est bon, ça y est, il est dans l'arc réflexe.
Ah, ben c'est pas un problème, ça ne durera que 2 minutes. Il est coincé, il va dire, bon, bah, dépêchez-vous. Donc si tu anticipes et tu prépares ton questionnement de manière culottée, mais c'est légal. On ne fait rien d'illégal de poser des questions au téléphone aux gens 8 minutes avant 1 heure. Donc ça, c'est une technique. Une autre technique en face à face, c'est quand tu parles avec quelqu'un et puis... Il doit connaître la même technique. Hein, donc on attend. Les gens détestent le silence. Donc quand on se tait, en fait, l'autre va dire quelque chose qu'on avait peut-être envie qu'il dise, mais on n'osait pas lui poser la question, mais donc on n'a pas demandé, c'est lui qui l'a dit tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élicitation, c'est le summum de l'art du questionnement, c'est que l'autre nous dise quelque chose pour une question qu'on n'a même pas posée. Donc si on arrive à atteindre ça, donc c'est plus un art qu'une science, bon bah là, c'est le top, quoi, et on est irréprochable. Tout à fait. Et puis après, en termes de recherche... Il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur Internet, mais en fait, ils savent pas souvent les techniques essentielles. Donc, il y a la technique, moi, que ma préférée, c'est quand on cherche, par exemple, un client. Donc là, on n'est pas dans la notion de concurrence, mais on recherche un client. Et si on a un client merveilleux, on en voudrait 10 ou 50 comme ça, eh bien, on utilise la fonction related, related en anglais, 2 points, et on met www. Et le site web de notre client merveilleux qu'on a déjà, mais on en voudrait d'autres comme ça. Eh bien, Google va regarder les mêmes mots-clés. Donc, ce client qu'on a, il va regarder les mots-clés qu'il a dans son site web, il va questionner ces mêmes mots-clés, sauf la même marque. Et donc, en, allez, 1 minute, même pas, on a un fichier client. Parce qu'on a une liste de prospects qui correspondent très précisément à l'entreprise qu'on a déjà comme client. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils balancent des mots-clés dans Google et puis après, ils regardent. Donc en fait, il faut professionnaliser cette compétence du renseignement dans les entreprises. Alors Google, bien sûr, nous amène beaucoup d'informations, mais il n'y a pas que Google quand même. Bah déjà, il y a surtout... En fait, le texte, en fait, Google, déjà, c'est du texte. Et le texte, c'est ce qu'il y a de plus pauvre dans la communication. Donc, ce qu'il y a de plus riche, c'est de voir les gens. Donc, globalement, dès que c'est du texte, globalement, on a déjà perdu. Par contre, si on est capable de se poser les bonnes questions, d'identifier avec les techniques du profilage, techniques policières, qui pourrait connaître cette information et qui n'aurait aucune intention de me nuire, donc je pourrais le croire, surtout si je lui pose des questions de manière un peu... simple, hein. Si on n'est pas en concurrence directe, il n'a pas lieu de pas me répondre. Et c'est plutôt en allant vers des personnes qu'on aura de la bonne information. Mais si on va chercher du texte, ce sera pauvre. Donc, parfois, il n'y a que le texte, mais sinon, moi, je dirais, n'allons pas sur les réseaux, n'allons pas chercher de l'info sur du texte. Mais quand même, comment savoir si l'information, elle est bonne? Alors, dès qu'on a l'information... Il faudrait prouver que l'information est bonne et que l'information qu'on a prouvée est bonne et que l'information qu'on a prouvée, qu'elle était bonne, qu'elle était prouvée. C'est une régression à l'infini. Il faudrait prouver la preuve de la preuve de la preuve. Tout à fait. Impossible. Par contre, si on se dit, bon, il y a 3 personnes que je pourrais interviewer et celle-ci est franchement mieux que les autres par rapport à notre situation. Et si je lui pose telle question, il n'a pas intérêt à me mentir, surtout parce que je vais m'informer un petit peu pour voir un peu... s'il est bien placé. Donc en fait, si on prépare le questionnement en amont, donc on va dire, on va pré-valider la méthode, on n'a pas besoin de post-valider le contenu. Et les gens essayent de post-valider le contenu, c'est galère. Si par contre on essaye de pré-valider la méthode, c'est une alternative qui nécessite de la pratique, mais qui à mon avis a une plus grosse valeur. Mais le pré et le post, si les deux sont validés, c'est encore mieux. Oui, mais en fait, après, on n'a pas vraiment le temps, quoi. Et quand on va voir les gens et qu'on leur dit « Alors, votre innovation, ça marche ?»« Vous êtes au courant comment ?»« Bon, bah, c'est qu'il y avait une innovation. » Donc ça, t'as ta réponse. L'innovation, elle est déjà lancée. Enfin, ils sont en train de la faire. Pour aller plus loin au niveau du sujet de l'information, d'accord, on sait qu'il y a une innovation qui est arrivée, mais si on veut en savoir plus, on fait comment ? Quelle innovation? Dans quelles conditions? Quel est le but? C'est plus compliqué, là. Ah, c'est plus compliqué. Donc, là, il va falloir imaginer des scénarios. Donc, ça, c'est la méthode de Sherlock Holmes.
Il imagine deux, trois possibilités et seulement ensuite, il n'a quasiment pas d'informations au début, seulement ensuite il va sur le terrain tester si la piste 1 fonctionne. Il trouvera forcément ce qu'il attendait de trouver. Sinon, la piste 1 est éliminée. Ensuite, il va avoir la piste 2, ensuite il va avoir la piste 3. Et généralement, il n'y a qu'une, entre guillemets, vérité dans ce qu'on a imaginé. Donc, il va de manière rigoureuse, d'abord avec de l'intuition, imaginer des scénarios, et ensuite avec de la déduction, enlever ce qui ne va pas. Et donc, après, il dit à Watson, bon, bah, Watson, allez, on rentre, mais demain, on va trouver le meurtrier. Et je ne sais pas encore qui c'est, mais on va tirer sur la ficelle. Toutes les autres ficelles ont lâché. C'est celle-là, la piste. On connaîtra le nom demain. Voilà. Donc, il faut créer son palais mental, quoi. Ça peut être simple non plus, quand Bah, même. alors, palais mental, avec ça, c'est sur la mémoire. Bah, il y a la mémoire. Mémoire, déduction, etc., quoi. Bah, il faut voir, il faut construire, moi, ce que j'appelle notre manière de nous informer. Il y a plein de gens qui restent au niveau de l'information, qui est comme une matière première brute, c'est un objet, l'objet est l'information. Bon, c'est un niveau de base. Après, il y a un niveau supérieur qui est être informé. Moi, je sais, je lis la presse, je suis informé. Ok. Ça, c'est un état, c'est figé, quoi. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est mon savoir-faire, il est là, c'est d'aider les gens à être dans l'action de s'informer. Donc, c'est pas l'objet ni l'état, c'est l'action. Je m'informe. Et non pas, moi, je lis la presse, quoi. Enfin, la presse, des fois, dit des bonnes choses. La presse dit des fois des bonnes choses, mais quand on lit un article sur soi, il y a toujours en moyenne 20 à 30% qui est très largement, comment dire, soit malencontreusement fausse ou pas précise. Alors parfois ça nous sert et puis parfois ça nous dessert. Donc en fait, s'il y a 20% qui est pas bon sur un article sur nous, c'est qu'il y a 20% qui est pas bon sur les autres articles. Donc quand on lit l'article sur un concurrent, bah, il y a 20% qui est pas bon, mais on ne sait pas lesquels. Bien qu'on peut aussi entrecroiser différentes informations qui viennent de différents journaux. Ouais. Bien sûr, mais on n'est pas sûr que ces trois journaux ne se sont pas tous raccrochés sur la même AFP. Enfin, quand on est toujours a posteriori, on a toujours des gros doutes et on n'y pourra rien. Par contre, si on est acteur de sa propre démarche d'aller vers la production nous-mêmes de l'information, bah là, on est beaucoup plus en capacité de voir si on, avec de l'exercice, bah, on est en plus en capacité de voir si on va plus sentir s'il y a du mensonge ou si ça tient debout ou pas, quoi. Et dans l'information, il y a l'information, je dirais, un peu de surface au niveau Google, mais il y a également une information plus en profondeur, un peu plus cachée. Comment est-ce qu'on peut savoir la différence entre les deux? Ben là, par exemple, sur le web, la plupart des gens ne sait pas si on y cherche sur le web de surface ou sur le web profond. Voilà. Donc déjà, ah, il y a du web de surface, web profond. Oh, ben moi, je dois être en surface, et c'est souvent le cas. Mais en fait, on ne va pas chercher l'info sur le web de surface en direct, comme on va dans le web profond en indirect. En indirect, il faut deux étapes différentes et on pose des questions différentes pour atteindre le web profond. Et quand on ne le sait pas, ben on croit atteindre le web profond et en fait, on reste en surface. Donc ça, c'est une question de, là, nouveau, de, enfin, c'est une sorte de naïveté. On croit qu'on sait chercher, mais en fait, on ne sait pas chercher. Alors, dans ce web profond, que peut-on y trouver? Ben, on y trouve ce que les gens veulent bien y mettre. Donc, soit directement, Forcément. soit ce que d'autres ont mis à leur place. Moi, mon numéro de compte bancaire et mes petits secrets, je ne les mettrai jamais sur le web. Donc, là encore, si on est à chercher du texte de ce que les autres disent, on n'ira jamais à un niveau de secret. Par contre, quand on rencontre des personnes, qu'on peut discuter avec elles, là, il y a et que c'est pas écrit, que évidemment, quand on pose une question par mail, il y a certaines personnes qui répondront jamais, parce que c'est écrit, donc il y a des traces. Mais à l'oral, on peut avoir d'autres éléments. Donc, à nouveau, la relation humaine, le questionnement et la préparation de l'anticipation de ce que les autres pourront dire et l'observation de son corps, parce qu'en fait, le corps parle avant la bouche, le son. Donc en fait, si on arrive à tourner ces questions, avant même que la personne ait parlé, on sait si c'est plutôt oui, plutôt non. Après, bon, c'est du détail de oui, ceci, non, cela, mais ça y est, on a compris. Et si la personne ne dit rien, en disant, bon, j'arrête, on arrête là, je ne me parle plus, on a déjà la réponse. C'est ça l'intérêt, en fait. Bien sûr.
Alors bien, donc on l'a compris un peu pour aller chercher l'information. Mais maintenant, moi, j'ai une entreprise et je voudrais l'inverse, quoi. C'est-à-dire que mes concurrents ne sachent pas ce que je fais. OK. Eh bien, la première des choses à faire, c'est d'attaquer. Quand on attaque et qu'on est capable d'aller chercher l'information chez les autres, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai posé 3 questions, ben, ils nous ont répondu. Mais c'est dingue. Mais en fait, s'ils nous posaient les mêmes questions chez nous, ben ouais, en fait, je suis sûr que chez nous, on répondrait aussi. Bon, ben, faut que je briefe les gens de chez moi. Donc, en attaquant, on voit tellement comment c'est simple et comment c'est pas si simple sur certains domaines. Après, on peut très facilement, enfin, c'est beaucoup plus facile de briefer nos équipes en disant, bon, bah, déjà, pas de, on répond pas au sondage en téléphone. S'il y a quelqu'un qui nous pose une question de l'ordre d'un organisme, d'une structure, on n'a pas le temps, on leur dit, je suis sur autre chose, on est toujours sur autre chose, donc on ment pas. Donnez-moi votre numéro, je vous rappelle. S'ils ne donnent pas de numéro, c'est louche. Et donc, après, on se fait des petits remparts, comme ça, on se protège. Et il faut intégrer une logique de paranoïa légère, une dose de paranoïa. Et on se dit, ben voilà, les gens autour de nous, il y en a beaucoup qui nous veulent du bien. L'être humain, je considère comme super. Mais dans la notion de business, il faut une dose de paranoïa. Donc, je fais attention à ce qu'on me demande et je réponds pas spontanément à... Je lâche pas certains trucs. Et c'est la technique aussi du saucisson. On divise ses secrets en 10 et il y aura 2 tranches de saucisson qu'on n'abordera jamais, jamais, jamais. Et on fait passer ça dans son équipe. Ces 2 thèmes-là, on les abordera jamais. Ce qui fait que ça se voit. Hein, quand il y a 10 personnes qui posent une question, ils ont chacun 10% du saucisson, ils ont reconstitué le secret, sauf qu'il y a 2 tranches qui sont interdites. Et donc, avec un système à 2 inconnus, c'est impossible de résoudre l'équation. Voilà. C'est un cloisonnement bien connu, notamment la résistance l'utilise. Alors concrètement, maintenant, je veux vraiment sécuriser mon entreprise de la façon dont vous dites, mais par contre, il y a d'autres moyens qui sont peut-être plus difficiles, notamment avec le web, avec les mails, avec etc. Comment savoir si effectivement cette personne, ben, je dirais c'est entre guillemets un espion, bien qu'il ne faut pas dire le mot, ou alors c'est un client? Ben, il faut discuter avec cette personne. Et au bout d'un moment, si son histoire a été inventée, elle s'écroule. À un moment donné, elle ne sait plus quoi dire. Donc il faut s'intéresser, il faut poser des questions. Ben, je tenais un stand il y a pas mal de temps, et puis il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Alors, ben, vous faites quoi ? Intelligence économique, vous faites quoi ?» Bon, je ne savais pas comment aborder le sujet. Je lui dis, mais et vous, vous faites quoi? Et il me dit, disons que je suis dans l'agroalimentaire. Qui c'est qui dirait, disons que je suis dans l'agroalimentaire ou pas? Disons que. Personne ne dit ça. Il me dit, bon, je suis de la DST, donc ça remonte à un petit moment. Je suis de la DST et puis je voulais savoir ce que vous faites, quoi, ça m'intéresse. Bon, ben voilà. Donc ça, on repère les choses, mais genre, mais ça ne se dit pas, ça. On ne se présente pas comme ça. Ou bien on en sait un peu plus quand même, ou bien, c'est sur quel genre de projet? Ah ben j'ai pas de projet. Oula, pas de projet. Voilà. Les gens qui posent des questions comme ça dans l'activité professionnelle, on n'a pas que ça à faire que de poser des questions comme ça en l'air. Donc on, avec un peu d'expérience, on arrive à savoir un peu les gens qui ont un vrai travail, une vraie question. Moi au téléphone, quelqu'un qui m'appelle. En moins d'une seconde, je sais si c'est quelqu'un qui a une vraie demande ou si c'est juste quelqu'un qui est curieux. Après, je pense que les gens ont l'habitude. Hein. On entend très très vite. Je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça, mais en moins d'une seconde, je sais si c'est s'il y a du potentiel ou si je vais perdre mon temps. Oui, c'est effectivement un ressenti. Alors, en conclusion, je sens qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon entreprise. Comment je fais? Je fais appel à vos services. Pour se protéger, par exemple? Oui. Bah oui, alors il y a des gens qui... Il y a des professionnels comme moi qui peuvent aider à se protéger. Donc là, on va voir le côté sécurité. Moi, ce n'est pas trop mon domaine, mais il y a des gens qui font de la sécurité, sécurité informatique, etc. Bon, formation du personnel. Et puis, ceux qui veulent aller plus chercher des informations chez les autres ou sur les marchés, voilà, c'est possible aussi. Il y a différentes personnes qui font ça. Il y a des formations jusqu'à Bac plus 5. Il y a des livres qui sortent tous les ans, et des émissions de télé. Il y a plein de choses.
Donc les mots-clés qu'il faut chercher, c'est intelligence économique, renseignement d'entreprise. On peut faire des formations pour ceux qui veulent, s'il y en a qui veulent. Voilà, il y a ces offres-là qui sont un petit peu discrètes sur le mais ça, voilà, ça se trouve assez facilement.